Gallagher! Yep tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Sunday Log, enfin sur Black Ops 3, donc on va lancer en quoi, je sais pas trop, on va lancer en Free For All, tiens. Est-ce qu'on a des bons score streaks, bon ça en Free For All, je pense pas qu'on va le mettre, voilà, on va mettre un petit compteur UAV, ça devrait le faire. Bon du coup on n'a pas trop le temps de squatter en ce moment, donc, comme vous le savez, dernièrement, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai eu mon code, c'est bon, hein, toutes ces deux semaines intensives, machin. Bah, au final, ça a apporté ses fruits, et du coup, bah derrière, il a permis en accélérant en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai entre 20h et 25h à faire, donc c'est à l'évaluation qui te donne ça. Pour ceux qui l'ont déjà, ils voient de quoi je parle. Et du coup, j'en suis déjà à 4, j'en ai pratiquement 2 tous les jours maintenant. Donc bientôt, j'aurai mon permis. Enfin, je vais passer mon permis, après, je le tiendrai au courant si je l'ai ou quoi, mais au moins... Voilà, tout ça, ça a été fait. En ce moment, je suis un peu en mode de recherche de voiture, tu vois. Je cherche un truc bien, mais voilà, qui soit accepté aussi en jeune conducteur. Enfin bref, c'est un gros bordel par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, bah du coup, il n'y a pas trop d'activité. Mais voilà, il y a le nouveau jeu. Là, on commence à bien squatter. J'ai fait mon premier scrim hier. C'est super bien passé d'ailleurs. Je pense que j'ai un petit gameplay à vous proposer. Parce que voilà, hier en scrim, j'ai mis l'hélico. Ça a choqué tout le monde. Bon, ce sera pas en listening, mais du coup, voilà, je ferai un commentaire par-dessus. Toi, par contre, on s'en fout un peu de ce que tu racontes. Voilà. Bon. Pour l'instant, je vais pas vous donner mon avis sur Black Ops 3. Enfin, c'est-à-dire que, non, je vous cache pas que je kiffe, mais voilà, j'ai pas envie. Ça fait moins d'une semaine que le jeu est sorti. Ça fait quelques jours, officiellement. Et voilà, en tout cas, pour l'instant, je kiffe. Ce que je fais en compétitif, pour l'instant, ça a l'air d'être kiffant. Donc, le rule set n'est pas officiellement sorti, mais pour l'instant, tout a l'air d'être bon. Donc, c'est plutôt cool par rapport à ça. Donc voilà, j'attends d'en savoir, enfin. J'attends un peu plus, bah, comme tous les ans, à chaque fois je fais ça, c'est-à-dire que dès que voilà, j'aurai vraiment vu toutes les facettes du jeu, bah, je vous donnerai mon avis entier sur le jeu, les plus, les moins. Pour l'instant, un gros moins, c'est les serveurs, mais je pense que c'est parce que c'est le début. Mais je vous cache pas que, à ce qui paraît sur Xbox, ils n'ont pas ce problème. Donc voilà, faut bien trouver des défauts à la PlayStation. J'aime tout ce qui est sur PlayStation, donc à part le fait qu'on puisse se faire rejoindre comme on veut. Donc ça, j'ai toujours pas trouvé de bons réglages par rapport à ça. C'est un peu relou. Y a le côté où... Il y a le côté justement où les serveurs ils buguent à fond, ça kick des lobbies, etc. Donc je sais pas si c'est les mêmes sur Xbox, mais voilà, c'est des problèmes assez gênants. Donc là du coup on vient de débloquer la Pharo il y a pas longtemps, donc on n'a rien dessus, on va essayer de faire quelque chose. Il y avait un mec qui était là il y a 2 secondes, donc je sais pas où il est passé. Très bien, très bien. Donc j'ai jamais fait de free for all encore, donc bon. Je vous cache pas que ça pourrait être compliqué, hein. Pour l'instant on est en 0-2, grosse soirée. Mais voilà, donc prochainement il va y avoir pas mal de choses. Donc je prépare aussi un trailer à Advanced Warfare. Donc j'ai demandé sur Twitter, les gens ça les intéresse, même si BO3 est déjà sorti. Pourquoi pas faire un montage qui sortira. Donc je sais pas si ça sera uniquement sur Advanced Warfare ou tous les codes. Mais voilà, on va voir avec l'équipe qu'on a. C'est pour ça aussi que dernièrement. Je me suis un peu concentré sur ça, c'est-à-dire que l'éditeur, j'ai dû lui chercher parce que j'avais enregistré pratiquement aucun clip. Donc je suis allé voir toutes les VOD que j'avais enregistrées depuis pratiquement le... Peut-être pas le début du jeu, mais depuis le milieu du jeu, on va dire. Bon, attends, on va pas de gunfight, on reviendra plus tard. Oh, si, quoi que, on va revenir maintenant. On va revenir maintenant, mais en passant par là. Donc là, on t'a vu, on te suit tranquillement. Donc cette arme, elle est super bien, hein. Cette SMG, elle est super bien. Pour l'instant, je suis toujours à la recherche du... D'une arme, tu sais, un peu au-dessus de tout. Donc, j'ai pas encore débloqué la M8. Donc, forcément, peut-être que avec la M8, j'aurai ma petite arme de classer. Mais pour l'instant, j'essaie vraiment toutes les armes. Voilà, cette arme, elle est vraiment. C'est vraiment le. Oh putain, c'est vraiment le petit fire, clairement. Donc, la Pharo. Donc, je pense qu'elle va être nerf parce que vraiment, tu peux mettre des one comme ça. Donc, voilà, c'est. Est-ce que c'est vraiment une SMG? Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, je kiffe parce qu'en fait, les SMG où t'as de la portée. Tu vides, tu vois, c'est vraiment... Allez, dégage. C'est vraiment ce qui forme. Pour l'instant, je suis toujours à la recherche d'armes. N'hésitez pas à me dire pour vous quelles sont les meilleures armes du jeu. Donc, il y a un peu tout, c'est ça en fait. C'est que tout le monde est un peu mitigé par rapport à ça. C'est qu'il n'y a personne qui peut aujourd'hui dire... Pour l'instant, c'est du one shot, one kill. Hein. On s'en sort plutôt bien avec l'annihilateur. Ah, ça, c'est notre petit endroit depuis tout à l'heure. Ah, derrière moi. Allez, dégage. Hop. Donc on connaît pas trop les spawns en mêlée générale encore, hein, donc plus tard ça sera bien. Moi je voulais être tranquille, pas me taper une longue game avec des coéquipiers. Oh ça c'est bien, ça c'est sympa, les petits FK comme ça, tu vois, ça fait toujours zizière. Lui là en haut, on va...
toute façon il est parti, tant mieux qu'on l'ait pas foutu. Dégage. Donc ouais pareil, donc cherche toujours mes armes, cherche toujours ma sensibilité. Pour l'instant je suis en 8, ça se passe plutôt bien, clairement. C'est-à-dire que même les shoots de loin, etc., je les prends tranquillement. Donc je suis pas encore familiarisé à 100% avec la manette, hein, donc forcément. Je suis toujours en mode recherche, mais voilà, en ce moment c'est beaucoup de recherche. Dans les prochains jours, il va y avoir pas mal de streams, les potes. Parce que je vous cache pas qu'hier j'avais stream, mais bon, je voulais pas. Voilà, c'était mon premier stream, je connaissais pas les rotates, je me suis dit, je vais me faire défoncer surtout sur les astanglais. Et au final, ça s'est super bien passé, mais quand je vous dis super bien passé. Oh putain. Quand je vous dis super bien passé, c'est vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire que. Vous savez, à ne savoir pas. Genre, c'était impossible pour moi, limite, de faire des positifs en online. Et là, limite, toutes les games, j'étais premier sur des hosts anglais, donc avec ma petite Pharo. Écoutez, j'ai envie de vous dire que voilà, ça promet d'être une bonne saison. Si déjà en online, je peux faire des choses, ça promet d'être cool. Donc de toute façon, vous verrez ça dans les prochains jours, parce que je pense streamer nos scrims. Hier, on a perdu qu'une seule carte. Franchement, on en a fait masse, hein, quand je vous dis on en a fait. Oh, oh, non. Putain, une rafale de plus, c'était good. Non. Attends, on va essayer de te défoncer. On m'appelle le French Monster dans le milieu, donc voilà. Non, mais prochainement, vous inquiétez pas, il va y avoir pas mal de streams. Déjà, là, aujourd'hui, je viens d'aller m'acheter une cam. C'est-à-dire que ma cam, il a sauté, lui, non? Je sais pas où il est passé. Attendez, on se focus. Je pense qu'on doit faire une petite pause et réfléchir sur ce qui vient de se passer. Pour le pauvre qui a essayé de me tuer là. Parce que c'était assez rapide pour lui, je pense qu'il a pas eu le temps de. Je me suis dit qu'on allait me contourner, ouais. Là, on... putain. Je me suis dit, je vais quand même tenter le duel, tu vois. J'ai envie de faire le mec avec une SMG, tenter le long shot. Franchement, il y a moyen. Là, j'aurais long barrel. Comment ça s'appelle? Canon dessus. Il y aurait moyen, clairement, il y aurait moyen. Je pense à la troisième rafale, je pense que je l'aurais tué. Parce que regarde, là je tue en 2 rafales mid-range à peu près. Donc bon, avec 3 rafales. Ok, on a bientôt gagné. Donc ouais, je me suis acheté une nouvelle cam. Celle-là, elle a rendu là, mais elle s'est fait manger par mon chat. Attendez, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Attendez, est-ce que vous pouvez voir le... Du coup, c'est cette cam que j'ai depuis à peu près 4-5 ans. Donc je vous cache pas que ça a été une perte, comme si je perdais quelqu'un de ma famille. Non, je rigole, mais... Voilà, c'est clair que du coup, bon, on a changé, donc il y a des petits problèmes encore avec cette cam, j'arrive pas forcément à bien la régler. J'ai pas trop le choix, j'ai pas commandé sur internet, je voulais vous faire sans délai, donc j'ai été la chercher tout à l'heure. Bah, ça, il va jump ou pas? Oh là là. L'autre, il a dû me contourner. Voilà, et toi? Pardon, excusez-moi, là on va essayer de tourner. Donc ouais, il y a des petits problèmes avec cette cam, regarde, si je fais ça... Oh, ça le fait pas. Oh genre, je voulais vous montrer, attends. Est-ce que vous voyez ou pas? Genre mon fond vert, il commence à partir en couille derrière moi, tu vois. Donc encore, ça le fait pas trop, vous verrez pendant les prochains streams. Dès que je re... Enfin, dans les prochains streams, pardon. Et dès que je reviens normal, tu vois, ça me remet bien. Donc la qualité, elle m'a l'air même limite meilleure qu'avec mon ancienne cam. Donc à vous du jeu après. Mais voilà, donc ce jeu en tout cas pour l'instant je kiffe, je vous donnerai mon avis quand il arrivera. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, un trailer à Advanced Warfare, donc fait par Lotson, vous allez voir, il est vraiment excellent. En tout cas, je parle pour les montages compétitifs. J'espère que vous aimerez en tout cas. Et puis il va y avoir le récap de la MLG va sortir, c'est juste qu'en fait je vais pas la sortir en mode vidéo toute seule, c'est-à-dire que la vidéo est nulle en elle-même, c'est pas vraiment une vidéo et j'aime pas trop en fait sortir un truc qui est nul comparé au reste, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, pendant ma première vraie vidéo Black Ops 3, je ferai un récap de ma saison et je vous mettrai une notification cliquable où vous pourrez aller voir le récap de la MLG. Pour ceux que ça intéresse, ça va être... c'est une vidéo d'1 heure à peu près, hein, pour vous donner un ordre d'idée, où on fait que blablater pratiquement tout le temps. Donc voilà, on a débloqué des petits trucs pour notre Pharo. Franchement, on leur a mis la poune. Notre Pharo sans rien équiper. Allez, notre Pharo. Il n'y avait rien équipé sur notre Pharo. Franchement, je suis content de ce qu'on vient de faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez content de ce qu'on vient de proposer là. Donc voilà, en tout cas, si vous aimez ce premier Sandelog, si vous trouvez qu'on leur a mis la poune sur ce mêlée général, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, et puis vous inquiétez pas. Quand je vais commencer à refaire plein de vidéos, en fait, tout va s'enchaîner très très vite, en fait. C'est-à-dire que niveau stream, niveau vidéo, vous en aurez limite tous les jours, toutes les heures, tu vois ce que je veux dire? Après, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, bah, vous connaissez, des fois, j'ai des phases où je suis un peu inactif sur un moment. Là, clairement, je me suis focus sur le code, ça s'est bien passé. Donc voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous mettrez
un gros j'aime pour ce mêlée général où on vient de les déchirer. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Vous inquiétez pas, normalement ça arrive à partir de cette semaine. Vous allez voir, ça va s'enchaîner très rapidement, tout simplement. Sur ce, bisous.